Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Blind Bag et il s'agit de petites capsules surprises, donc des espèces de POG princesses. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fiche i et dans la barre de description. Et je vais sûrement parler de ce que j'ai eu dans les précédentes vidéos. Donc c'est toujours pareil, hein. C'est avec des petits bonbons dedans, 100% fruits. Très naturel. Donc ça c'est bien. Et ceux-là, on les avait eus à Jouet Club à 50 centimes pièce. Donc forcément, une bonne offre. À la base, je crois qu'ils sont à 1 euro et quelques. Donc c'est déjà pas mal. Mais alors là, 50 centimes, c'est vraiment pas mal du tout. Et pour une fois, il s'ouvre nickel. Est-ce que les ouvertures faciles marchent pour une fois? C'est pas souvent quand même. Hop. Donc c'est parti. On va voir. Donc, je vais pas goûter les bonbons encore. Hein. Voilà. Alors, on a un autocollant de Mérida. Donc celui-là, je pense que je l'ai. Je vais regarder. Hop. Je vais ouvrir. Non? Ah tiens, je croyais que je l'avais, tiens. Ah si, il est là. Ouais. Donc oui, je l'ai. Ensuite, on a la petite ventouse de Polochon. Celui-là, je l'ai. Je sais que je l'ai. Alors, les ventouses, elles sont où? Là. Je ne l'ouvre pas, mais c'est celui-là. Deux petits polochons. Et ensuite, on a un pug. Alors, celui-là, il est nouveau. C'est un de réponse. Numéro 14. Avec un effet un peu métallisé, brillant, vraiment sympa. Moi, je les trouve très jolis, toujours. Et après, ben, bonbon. Ouais. Hop, on va voir le deuxième. Alors, l'autocollant, on a Mulan, je crois que je l'avais déjà, oui, je l'avais déjà malheureusement. La petite ventouse aussi, en même temps je crois qu'il n'y en a que, ouais, je regarderai, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a différentes des ventouses. Donc voilà, c'est celui-là, le Pascal, je vais s'enfermer comme ça, j'en ai eu. Double, ouais, donc ouais, c'est ça, il y en a 6 différents et je crois que j'en ai 5. C'est ça, j'en ai 5, donc il m'en manque que 1. En fait. Il m'en manque une de ventouse, donc forcément c'est difficile. Et du coup, les autocollants, ouais, il y en a 12. Donc pareil, c'est facile d'avoir des doubles alors que les POG, il y en a 60. Et c'en est un nouveau. De Cendrillon, numéro 17. Très joli. Avec le même effet que celui de réponse. Alors, est-ce que je l'ai? Je crois pas. Hein. Non, ça c'en est un nouveau. Cendrillon avec sa pantoufle de verre dans la main. Ensuite on a Pascal encore, c'est un double. Et le, est-ce que je l'ai celui-là? Alors d'ailleurs, si vous voulez voir ce que j'ai, est-ce que la mise au point veut bien se faire? Alors ça c'est Ariel, j'ai la pantoufle Ariel comme ça, Mérida,
Non, je ne l'ai pas celui-là. D'ailleurs, ça, c'est les nouveaux paquets des bonbons. Avant, ils étaient comme ça dans le truc métallique. Et du coup, on a Cendrillon. Je sais pas trop mettre bien. C'est vrai que c'est pas vraiment des pogs. Je sais pas, il y a une fente dedans. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est Cendrillon. Ouais, voilà, là. On a eu pas mal de choses Cendrillon là, du coup on a eu l'autocollant là et on a eu deux pogs Cendrillon. Mais au moins on a eu. Ouais, on a eu quatre nouveaux trucs, trois nouveaux packs, donc ça c'est bien. Parce que c'est le plus intéressant quand même. Et un nouvel autocollant, donc ça c'est sympa aussi. Moi je suis contente. Quel c'est mon préféré? Normalement je pense que ça aurait été réponse, mais c'est vrai que. Je l'ai pas dit, mais je trouve qu'elle a une tête un peu bizarre dessus. Je trouve que c'est son nez. Je sais pas. Alors que Cendrillon, là-dessus, elle est super mignonne. Donc je crois que je préfère ce pog-là de Cendrillon. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire hein, lequel ou lesquels vous préférez. Et après, oui, au niveau des. Donc je préfère le polochon. Et après, au niveau des autocollants. Je sais pas, ouais, je crois que je préfère encore Cendrillon, alors que normalement je suis pas très Cendrillon, mais c'est vrai que là elle est mignonne. Suis tombée des choses à côté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos, sonnez la petite cloche et suivez-moi sur Twitter @Isyriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!